Bonjour à tous. Dans ce numéro, Kai Caraïbes sillonne les routes du diamant. Cette commune du sud-ouest de la Martinique tire son nom de ce fameux rocher d'origine volcanique de 175 mètres de haut, situé à 2 km de sa baie. Mais le diamant, c'est aussi une multitude de trésors architecturaux. Je vous propose tout de suite de découvrir l'un d'entre eux qui a marqué l'histoire de la Martinique. Située en périphérie du bourg, la maison du Gaoulé fait partie d'une vaste propriété. Anciennement habitation du bourgeot, il ne reste aujourd'hui que les ruines de la maison de maître, construite au début du XVIIIe siècle. Ce lieu est l'un des derniers témoins d'un événement marquant de l'histoire de la Martinique, la révolte agricole de mai 1717. Pour mieux comprendre, il faut tout d'abord définir le terme « Gaoulé ». Ce mot créole signifie le combat, le chahut, la rébellion et symbolise l'opposition avec force des planteurs martiniquais aux représentants de la colonie qui souhaitent à l'époque réglementer le commerce entre les îles et la métropole. Construite vers 1710, la maison du Gaoulé est faite de pierre et s'inspire des maisons rurales françaises de l'époque. Afin de protéger les fondations des remontées capillaires, la maison est rehaussée par un solage. Les murs très épais sont constitués sur deux côtés d'un conglomérat de moellons et de ciment. Elle offre au premier niveau une alternance de fenêtres et de porte-fenêtres, surmontée d'un linteau en arc surbaissé et décorée d'un jeu de claveaux. Les volets sont ajourés de persiennes en bois, facilitant l'aération des espaces de vie. La galerie, quant à elle, n'est visible qu'à l'arrière de la bâtisse et donne sur une cour pavée qui devait abriter un jardin potager. Elle confère à la maison son caractère créole. Classée aux monuments historiques depuis 1988, la maison du Gaoulé est une des plus anciennes constructions de l'île qu'il convient impérativement de sauvegarder. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, Kai Caraïbes revient même heure, même chaîne. Dans notre dossier, nous verrons que dans la Caraïbe, il est souvent plus agréable de vivre au grand air qu'à l'intérieur. En attendant, prends soin des caïzotes. Toutes les couleurs de Kai Caraïbes avec Mazarin Peinture.